Effectivement, les coquilles d'œufs sont très bénéfiques pour notre corps. Elles sont remplies de calcium, de fer, de zinc, de cuivre, de manganèse, de phosphore, de chrome, de fluor et bien d'autres. Ce qui fait qu'elles sont très très bonnes pour notre santé. En voyant ce que je vais vous montrer ici, je vous assure, vous n'allez plus jamais mettre vos coquilles d'œufs à la poubelle. Sachez déjà que vous pouvez utiliser les coquilles d'œufs comme remède naturel pour renforcer le corps, pour purifier le sang. Prenez 5 coquilles d'œufs, lavez-les bien avant de les écraser dans un bol. Puis ajoutez 10 verres d'eau ou alors 600 centilitres d'eau. Prenez 2 verres par jour. Le mélange se conserve au réfrigérateur pendant plus d'une semaine. Pour donner du goût à cette solution, n'hésitez pas à verser quelques gouttes de jus de citron à l'intérieur comme vous pouvez me voir faire. Si vous souffrez de gastrite ou même de maux de ventre, les coquilles d'œufs peuvent vous sauver la vie et rapidement. Lavez bien 2 coquilles d'œufs, réduisez-les en morceaux. Ajoutez 3 cuillères à thé de jus de citron bien fraîchement pressé. Une fois que les coquilles sont fondues, versez dedans un demi-verre de lait chaud comme vous me voyez faire. Consommez ce remède 2 fois par jour, au réveil à jeûne et avant de dormir. Toutefois, évitez de boire et de manger la nourriture avant de boire ceci. Nous en numéro 3, si vous souffrez de thyroïde, prenez tout simplement 8 coquilles d'œufs, lavez-les bien, séchez-les à l'air libre. Sinon, essuyez simplement avec un tissu, puis réduisez le tout en poudre, versez dans un bol avec le jus de 2 citrons, laissez reposer dans le réfrigérateur pendant quelques jours jusqu'à ce que les coquilles se dissolvent complètement. Filtrez le liquide et mélangez tout simplement avec un demi-kilo de miel comme vous pouvez me voir faire. 1 litre de cognac et attendez une semaine avant d'utiliser ceci. Pensez à prendre une cuillère à soupe 3 fois par jour après les repas. Je vous assure mes amours, c'est meilleur que tous les remèdes que vous avez pu avoir jusqu'ici. Les coquilles d'œufs. Ces coquilles que vous voyez sont prisées par beaucoup de personnes à raison de leur quantité impressionnante de calcium. Pour renforcer vos os, broyez les coquilles d'œufs, incorporez-les dans vos repas quotidiens. Vous pourrez saupoudrer vos soupes, vos légumes, vos lentilles, ce que vous me voyez faire. Bien sûr, après avoir réduit ceci bien en poudre. Mais vous pourrez aussi les manger avec des desserts, des sauces, des salades, des crèmes. Et surtout, pas de panique, ceci n'altère pas la saveur de vos plats. Au contraire, ça améliore grandement votre santé. Donc, je vous conseille de mieux écraser ça que moi parce qu'après, ça a un goût sablé dans la bouche. Donc, voilà. La membrane de la coquille d'œuf, la pellicule transparente à l'intérieur, peut actionner la guérison des éraflux et des coupures. Dès maintenant, quand vous vous blessez, appliquez-la seulement sur la zone concernée et la blessure guérira rapidement comme vous me voyez faire là tout de suite. Si vous souffrez d'irritation, la peau irritée, des douleurs musculaires, des problèmes de peau, utilisez tout simplement la coquille d'œuf pour traiter cela. Prenez-en une. Mettez-la dans un récipient rempli de vinaigre de cidre. Laissez poser quelques jours. N'hésitez pas à frotter les zones irritées avec ce mélange. Notez que le résultat se voit à l'immédiat, mes amours. Et c'est pareil, si vous voulez calmer les douleurs articulaires, rien de tel que les coquilles d'œufs. Prenez un bocal, mettez-y un fond de coquilles d'œufs écrasées, versez dedans du vinaigre de cidre, fermez bien le couvercle et attendez 2 jours. Laissez les coquilles dissoudre, fondre complètement. Frottez les parties douloureuses avec cette solution aux vertus apaisantes qui est riche en collagène, en glucosamine et bien sûr en chondroitine, dont c'est tout simplement excellent pour vous. Vous pouvez aussi utiliser ceci. Vous pouvez aussi utiliser ceci dans vos smoothies comme vous venez de voir. Vous prenez des jus de fruits, les fruits que vous avez sur la main, vous les lavez bien, vous épluchez
et vous rajoutez 2 coquilles d'œufs dans un mixeur. Vous mixez le tout. Je vous assure, mes amours, buvez ça par jour, que vous ayez des troubles, des faiblesses, des fatigues, des manques de vigilance, manque de sommeil, manque de force, d'endurance. Ça va vous sauver la vie. Vous pouvez tamiser avant de boire si le côté sablé de ça vous dérange. N'hésitez pas. Sachant aussi que vous pouvez utiliser ceci pour prévenir les rides et la vieillesse. Mes amours, les rides commencent à faire leur apparition sur le visage. Vous êtes mal à l'aise. Sachez que vous avez la possibilité de les atténuer avec des coquilles d'œufs. Réduisez quelques-unes en poudre. Mettez-les dans un bac à glaçons qui contient déjà de l'eau ou même mixez comme vous me voyez faire. Gardez au réfrigérateur. Que ce soit bien congelé. Frottez simplement le glaçon sur le visage pour réduire et prévenir l'apparition des rides. Ça aussi, c'est excellent pour embellir le visage. Si vous voulez avoir une belle peau, utilisez simplement des coquilles d'œufs désgrattées, écrasées au mixeur. La poudre obtenue, battez avec un blanc d'œuf et un concombre. Faites un masque sain et nutritif. Patientez quelques minutes que le masque soit bien sec sur la zone que vous avez appliquée et rincez abondamment avec de l'eau tiède. Vous verrez de suite que votre peau sera plus douce et plus nourrie en profondeur, mes amours. C'est pareil si vous avez des ongles abîmés, cassés, fragiles. Broyez les coquilles d'œufs pour qu'elles se transforment en poudre. Versez-en un petit peu dans le vernis à ongles. Mais faites vraiment de la poudre, pas comme vous me voyez faire là. Sinon, versez-en un petit peu dans votre vernis à ongles. En plus de faire du bien à vos ongles, les poudres de coquilles d'œufs permettent aussi de faire tenir le vernis plus longtemps. Depuis des siècles, on utilise les coquilles d'œufs pour améliorer la saveur du café. Ce n'est pas nouveau, peut-être que vous ne le saviez pas. Pour cela, vous faites simplement bouillir votre café. Vous préparez votre café comme vous m'avez vu faire là, avec vos coquilles d'œufs que vous venez d'écraser. Ensuite, vous rajoutez de l'eau bouillie à l'intérieur et vous tamisez comme vous me voyez faire. N'oubliez pas de filtrer le café après, sinon les petits morceaux de coquilles d'œufs peuvent vous gêner. Donc voilà, remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout.